donc merci d'être venu. On va commencer ce panel sur les différences entre le storyboard et la bande dessinée et les points communs, évidemment. Je vais peut-être vous présenter nos choristes qui vont chanter avec moi. Donc on a Will Simpson, qui storyboard actuellement Game of Thrones. Roland Boschi, qui est dessinateur très connu chez Marvel. Mais qui a aussi un passé sordide d'animation, c'est pour ça qu'on lui a demandé de venir, parce qu'il connaît les deux côtés du business. Philippe Briones, qui a un peu le même profil, qui a travaillé pour le marché américain chez Marvel. Et chez Soleil pour des bandes dessinées européennes, mais aussi chez Mickey. Tu me diras, tu bosses encore pour Mickey maintenant, du coup. David Messina, qui aussi a un passé sordide d'animation. Il a fait du storyboard et travaille aujourd'hui dans les comics. Il a fait beaucoup de Star Trek, notamment de Angel, dont il est très fan, et chez Marvel aussi, et surtout sa série Bones, qui est un creator own que je vous engage tous à acheter et lire. Sarah Pichelli, qui nous vient d'Italie aussi. Sarah aussi a débuté dans l'animation et aujourd'hui elle travaille chez Marvel en tant que dessinatrice, notamment sur Ultimate Spider-Man. Elle a dessiné le fameux Miles Morales, le nouveau Ultimate Spider-Man, et sur Guardian of the Galaxy, une petite série dont vous avez entendu parler. Donc voilà, on va peut-être commencer les questions. D'abord, je remercie aussi Kachou qui va nous faire la traduction, et Michel aussi qui traduit pour Monsieur Will Simpson. Je vais vous demander aussi beaucoup d'indulgence parce que j'ai appris à peu près il y a 10 minutes que je faisais cette conférence. Donc, comme vous pouvez imaginer, j'ai beaucoup préparé. Donc, je vais vous demander d'abord, je vais demander à mes invités de se présenter un petit peu et de dire comment ils ont commencé leur carrière de graphiste, par quoi ils ont commencé, évidemment, puisqu'on parle de la différence entre le storyboard et la bande dessinée. Will first. Hello? Oh, yeah. Okay, I started on a comic strip called Big Ben, the Man with No Time for Crime, which was for Warrior Mag, and then I went on to Transformers. Okay, j'ai commencé avec un comic strip, c'était Big Ben, l'homme qui n'avait pas de temps, it was Dez Skin, right? Ouais, scénarisé par Dez Skin, et ensuite j'ai fait du Transformers pour British Marvel. Okay, bon, non, yeah. C'est tout? Oui. Bonjour. Hey, bonjour. Alors, moi j'ai commencé à travailler d'abord dans l'animation, dans le dessin animé, pendant une quinzaine d'années. De temps en temps, j'en fais encore. Et puis, est-ce que, il y a quelques années... est-ce que tu peux nous citer, par exemple, des projets sur lesquels tu as travaillé? Principalement pour des séries animées de télé, la dernière étant Les 4 Fantastiques. Donc, les 4 Fantastiques? Ouais, Les 4 Fantastiques. Quoi. Donc, principalement au storyboard, mais pas mal de caractère design. Ouais. J'ai fait récemment la création des personnages sur Basket, la Tony Parker, la série Basket. Donc là, c'était du character design. J'ai fait beaucoup d'animations quand même pendant 15 ans. Et principalement pour de la série télé. Ah, voilà. C'est, je m'entends mieux, en fait. Voilà. Et attends, juste sur quoi tu as enchaîné dans les comics? Quel est ton premier travail? Pardon? Ton premier travail pour les comics, s'il te plaît. Vas-y. Ton premier travail pour les comics? Alors, mon premier comics a été chez Marvel et c'était Ghost Rider. D'accord. Voilà. Tu peux nous dire comment ils t'ont repéré, éventuellement? Je dois dire que j'ai eu de la chance, j'ai fait passer un portfolio. Mes premiers contacts pour les atteindre ont été Panini. Ouais. Et puis, grâce à eux, on a pu faire passer un portfolio. D'accord. Et il se trouve qu'ils cherchaient quelqu'un sur la série Ghost Rider et j'avais fait pas mal de design là-dessus, sur la bécane, sur le personnage, parce que ça m'intéressait particulièrement, ce personnage. Ouais. Et donc, à l'issue de ça, ils m'ont sollicité pour travailler. Mais bon, ça s'est fait avec de la moule, comme on dit. Quoi. D'accord. Voilà, quoi. Voilà. Et puis bon, maintenant, ça s'est enchaîné, quoi. Voilà. D'accord. Fini. Alors, moi j'ai commencé dans l'animation directement avec Goofy Movie,
Et j'ai travaillé après 10 ans chez Disney sur 8 films. Ouais. Et puis voilà. Donc je connais très bien le film et je vais faire semblant de ne pas savoir. Sur quoi tu as travaillé chez Disney ? Pourquoi j'ai travaillé chez Disney ? Ouais, sur quel projet ? Ah, sur quoi ? Ouais. J'ai travaillé sur Goofy, Dago Max, Hercule, Tarzan, où j'étais superviseur de Tarzan adulte avec Glenn Keane. Et j'ai travaillé sur Cusco, Empereur Mégalo, Atlantide, Fantasia 2000, Le Livre de la Jungle, d'accord. Frère des Ours. Et en quelle qualité ? Hein ? En quelle qualité ? Quel rôle ? Chef d'équipe. Chef d'équipe clean-up et à l'animation. D'accord. Et quels sont tes premiers travaux dans la bande dessinée ? J'étais toujours à Disney. Et je faisais le matin, je travaillais sur les films et l'après-midi sur les pages. J'ai commencé chez Soleil, Les Seigneurs d'Agartha, et j'ai fait le tome 2 de La Geste de Chevalier Dragon chez Disney aussi. D'accord. Et après, un Kookaburra, et ensuite, un deuxième geste, et au milieu de l'album, j'ai fait passer mon book chez Marvel. Chez Marvel, ouais. Et puis Joe Quesada, il l'a vu et il m'a embauché. Et il a dit, ce mec, il est super. Ouais. David. Hi. I start my career as a storyboarder and character design animation. Donc David a commencé sa carrière en tant que créateur designer des personnages et storyboarder dans l'animation. And after some time, I began to work as colorist for American market. And then I moved to interior page for IDW, where I worked mostly on licensing books, so Star Trek, Angel, True Blood. Donc, il a commencé à travailler en tant que cover artist pour le marché américain en bande dessinée, et insensiblement s'est mis à faire des intérieurs sur des séries comme... What the series you mentioned? Angel, True Blood, and Star Trek. True Blood. were you a fan of Angel? Est-ce que tu aimais? Of Angel, I was a fan. Yeah. Not so much of True Blood. Oh yeah. Okay. Donc il était fan d'Angel, mais pas vraiment de True Blood. And then I moved to other project, Wolverine for Marvel, and The Bounce as creature of Net Project. With Joe Casey from Men of Action. Et à partir de là, donc elle a travaillé pour Marvel, puis pour sa propre création avec Joe Casey, qui s'appelle The Bounce chez Image Comics. Sarah. Hi. after high school, I studied animation for 3 years. And after that, I worked in animation business for 3 years as storyboarder, character designer, texture artist, 3D animator, traditional animation. I needed money. Donc ça a fait ses études dans l'animation et a commencé tout de suite rapidement à peu près tous les postes possibles imaginés dans le business, la création des personnages, storyboard. Un peu tous les postes clés, elle avait beaucoup besoin d'argent et elle a fait tout ce qu'il fallait. And what about comics? In 2008, I got fired from the studio where I worked, so I tried to send my pages to Marvel during the Chester Quest. There was a worldwide challenge organized by C.B. Cebulski, and I was among the winners. So from then on, I kept working for Marvel. À ce moment-là, donc, elle s'est tournée vers la bande dessinée et a participé à une recherche de talent qu'organisait Marvel à l'époque. C.B. Cebulski, qui était le talent manager de Marvel, avait organisé un concours où les dessinateurs du monde entier pouvaient présenter leurs travaux. Et Sarah fait partie des gagnants et donc a commencé à travailler pour Marvel à ce moment-là. On va rapatrier le micro pour Will. Hello. Tu as commencé donc à travailler pour le marché britannique d'abord, puis pour le marché américain, notamment beaucoup pour Vertigo, la boîte Vertigo.
Est-ce que tu peux me dire en quoi travailler dans les comics a pu te préparer à ta future carrière de storyboarder? Okay. I started off, obviously, as I said, things like Transformers, and I did Judge Dredd and Hellblazer and Vamps and some Batman stuff. And I mean, I think, because this was one career. It was kind of a long career that I had in comic books until my end of comic books was sort of drying up. You know, I mean, I was working on a creator-owned project, but there didn't seem to be the big backing for it, even though it was selling very well. So in between series, I kind of went sideways into film. And I mean, it's interesting, I did some animation as well, but I mean, I did some storyboarding on very low budget films first, and it was a total accident. I mean, I was kind of walking down a street in London, and a guy that I knew came up to me and said, "Hey, do you fancy storyboarding our low-budget feature film? There's not much money in it, but it would be great to have you on it because you worked in 2080. And I thought, well, okay, that's fine. I've never done storyboarding before. And I thought, you know, I've drawn comics. How hard can it be? And it was interesting because what I drew wasn't really a storyboard. It was like a comic. It just happened to be in the same panels, you know. And, okay. Oh, he's used to me. He's used to me. He knows all this. I am. Alors oui, effectivement, bah, j'ai une carrière donc dans le comic. J'ai commencé avec Transformers. J'ai fait du 2000 AD, du Judge Dredd, Tyranny Rex, etc. Et c'est vrai que c'est une carrière qui à un moment commençait à s'étioler dans le sens où j'avais fait un character round qui était Vamps, qui était chez DC Vertigo, et bien que la série ait eu du succès, soit vraiment très bien vendue, je ne sentais pas un soutien de la part de l'éditeur du tout. Donc, entre-temps, c'est arrivé vraiment par hasard. Je me baladais dans les rues de Londres et tout d'un coup, quelqu'un que je connaissais me dit « Écoute, est-ce que tu voudrais faire du storyboard pour notre film ?» Bah, c'est un petit budget, ça n'a pas t'apporté beaucoup d'argent, mais on serait vraiment enchanté de t'avoir parce que quand même, un dessinateur qui vient de 2000 AD... Je l'ai fait, j'ai aimé ça, et puis voilà. Après, il va vous raconter la suite. Maybe a little bit more what you've okay, done yeah. after that. So the thing was, because you had asked how it had prepared me for storyboarding. Well, unlike these lovely people who work for studios and obviously were under a whip hand to create great storyboards, I ended up getting into animation with my brother, who was a CG animator. And the thing was, I kind of then created storyboards that worked for me as opposed to storyboards that worked for a company. Basically, it was me inventing what I was doing with storyboarding. So I never really had whatever the pressures you guys may have had from a company. So I was never in that big mass of people being told what to do. I did what I wanted to do, basically. So when I finally started doing my film storyboarding, it was still being mixed in with conceptual artwork. It was never straightforward. I never went in just as a storyboarder. And some films I was doing both. I was doing conceptual artwork and then halfway through I'd be moving off into doing storyboarding. It's only in recent times, really, on such a big project as Game of Thrones that I've ended up storyboarding completely. But I kind of know now what I'm doing. And I do think that for the job that I'm doing now, comic strips were the best basis I could ever have had, because I think through a series of great flukes, I've managed to get that job, you know? Because I love putting emotion into everything that I do. So the thing is that the storyboards that I do, you know, people are always telling me, oh, they've got such character, they've got this, they've got that, oh, look, feel the pain. But the point is, it's the only way I know how to draw, and it all comes from having done comic strips. Because there's a detail as well that I put into the storyboards, and I think, I mean, that's all out of comic strips. You know, comic strips have serious deadlines, and basically if you've been, you know, infused to do the best work possible, and somebody's ready to beat you because you haven't, you know, got there, it helps you always to be drawing detailed stuff. Okay. Oui, effectivement, ce qui m'a beaucoup aidé donc, pour répondre à la question,
les comics pour le storyboard. C'est vrai que d'une part, forcément, quand j'ai commencé, j'envisageais vraiment mes planches de storyboard comme des crayonnés de planches de comics, de BD. Et donc, en plus, mes premiers projets étaient, en tout cas pour le cinéma, court, moyen métrage, c'était vraiment des films à petit budget. Donc, j'étais en charge totalement de ce que je faisais. Ce qui fait que j'ai vraiment pu faire ça à ma sauce, avec cet héritage, ce sens du détail du comics, l'expression des personnages, le fait qu'il fallait faire une séquence qui tienne la route. Quand j'ai eu vraiment mes premiers travaux sérieux de film, j'étais déjà Roger. Et contrairement à mes charmants collègues sur ma gauche, au tout début, j'ai eu des longues années sans avoir de pression de la part d'un studio, comme justement aujourd'hui sur Game of Thrones. J'ai eu le temps de modeler ma propre façon de faire des storyboards, mon rythme. Et ensuite, forcément, il y a des deadlines dans les comics, il y a des échéances à tenir, donc c'est la meilleure école possible. Donc j'ai demandé à Will de nous parler de comment les comics ont pu le préparer à faire du storyboard. Je vais vous poser la question inverse maintenant à vous. Est-ce que le travail dans l'animation vous a apporté quelque chose, un plus? Vous a préparé en quelque chose pour la bande dessinée? Absolument. En ce qui me concerne, j'ai commencé par ça après l'école. Je me suis formé avec le contact des superviseurs sur les productions. Le storyboard étant assez compliqué et très technique pour les séries d'animation, puisque c'est le brouillon du dessin animé qui va être réalisé. Ajouté à cela, la contrainte de la série qui quand même demande une grosse production, donc il faut que ça soit quand même assez calibré. Ouais. Donc j'ai beaucoup appris d'une part en regardant mes collègues dessiner, et puis aussi avec le contact des superviseurs et en diversifiant les postes, comme le disait Sarah. C'est-à-dire que passer d'un poste de character design, de décor, de storyboarder, même un peu de supervision, ça apporte beaucoup de choses pour un dessinateur, forcément. Mm-hmm. Et puis le rythme, la production, tout ça, forcément, m'a beaucoup aidé. Et je dirais que maintenant, pour la bande dessinée elle-même, pour le comics, même si c'est pas tout à fait ce sont des arts cousins, je dirais, mais pas tout à fait les mêmes. La bande dessinée résume plus que le storyboard lui développe. Ceci dit, ça m'a beaucoup apporté dans la narration bande dessinée, le fait d'avoir fait du storyboard. D'accord. Et je dirais que là où la bande dessinée est plus complète, c'est sur la finition des dessins, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'après toutes ces années de dessin animé, je faisais finalement que des croquis, et j'étais pas allé au bout de mon exploration sur la finition du dessin, la présentation, l'illustration. Le style, donc quoi. Voilà, c'était vraiment du croquis. Pareil aussi pour le dessin d'animation. Ouais. Après, il a fallu choisir un style, un ancrage, un univers, sa personnalité. Donc ça se construit petit à petit. Hein, je suis pas au bout du chemin. Mais je dirais la différence se situe là. D'accord. Et toi, Phil? Moi, je m'occupais surtout, enfin, essentiellement des personnages quand je travaillais dans l'animation. Ouais. J'ai eu quand même un an où j'étais responsable merchandising à Disneyland de Paris. D'accord. C'est-à-dire les produits dérivés, les illustrations. Je m'occupais des dessins sur les produits dérivés, ce qui faisait que je faisais aussi les décors. Ouais. Ça m'a surtout donné la capacité de donner un message rapide. Mm. Intelligible, efficace, intelligible immédiatement. Mm. Si une personne ne comprend pas la pose ou la silhouette, par la dynamique, ne comprend pas ce que le personnage fait, c'est abandonné. Ouais. Ça a été une vraie école. Mm-hmm. Et le fait aussi de pratiquer de nombreuses heures le dessin chaque jour. Oui. Quand je dis nombreuses heures, ça allait jusqu'à 20 heures par jour. Du coup, c'est c'était un énorme entraînement pour développer une aisance. Oui.
Et avec aussi une discipline travaillant de travail. Avec Glenn Keane aussi, bah, j'ai appris énormément de choses parce que voilà, c'est un maître de l'animation. Alors Glenn Keane, tu peux nous en parler en deux mots? Glenn Keane, c'est lui qui était en charge et qui a créé les designs de, entre autres, La Petite Sirène, Basile Détective Privé, Pocahontas, La Belle et la Bête, Aladdin. On peut dire que c'est le sauveur de Marvel dans les deux. C'est lui qui a remis l'absus qui tue. Voilà, il a un peu remis Marvel dans les années 90. Ouais. Et Marvel Disney, à flot. Ouais, ouais, je fais la. Bon. Passons. On les confond maintenant. Ils vont commencer à savoir. Et voilà, après, évidemment, dans le comics, il y avait la rapidité, ouais, l'efficacité, et bien faire son travail le plus vite possible. Mais il a fallu quand même tout réapprendre parce que je changeais de format. Ouais. Passer d'un format unique, un peu plus grand que A3, avec un dessin de personnage par image, par dessin. Ouais. Et puis là, on avait des petites cases avec plein de personnages et du décor. Donc, au début, il a fallu tout réadapter, tout réapprendre, plus l'ancrage. Donc, il y avait la technique. Donc, d'accord. Voilà. Mais après, au niveau du dynamisme et efficacité, oui, l'animation a énormément servi. D'accord. David. Okay. Maybe the biggest influence of the animation in my work as comic book artist was about organization. We were really a small studio. So we need to optimize the time, we have to respect the schedules, and we have to plan everything. In some way, when you work for the comic book in the USA, you are like a little studio, an inker, pencil inker and colorist. Mm-hmm. And the first influence was the way to plan everything and to work with different people. Ce que nous explique David, c'est que ce qu'il a préparé le plus, on pourrait dire que c'est la discipline de travail et le travail d'équipe, c'est-à-dire de travailler avec des gens, de planifier un peu tout ce qui se passe dans un projet, tout ce qui peut arriver. Le fait de travailler avec une équipe dans les comics, finalement, est un peu comme prévoir la construction d'un film avec un dessinateur, un scénariste, un dessinateur, un encreur. The second way it affected my way to work in comic book was in the choice of the shot for the panel. When you work in comics, you can play with the layout of the page, so you can change the shape of the panel, and sometimes you don't look for an interesting shot of the landscape of the image. So when you work in the storyboard, you have the regular frame, and you had to look more deeply in the choice of the shot. So in some way, it affected my way to work, because I don't rely on the layout of the page, but try to work on the single panel, looking for the best way to figure it out, an image and sequence. D'accord. David souligne la différence entre la façon dont on design une page de comics, dont les cases sont agencés par rapport au format strict d'un storyboard. Ce qui l'a poussé justement, donc après avoir travaillé dans le storyboard, ce qui l'a poussé à se focaliser sur les tailles des cases et la façon dont on peut diriger une histoire. C'est un peu technique, hein, désolé. Je m'y perds moi-même. La façon dont justement on gère le passage du temps dans une bande dessinée, alors que le storyboard est un cadre fixe qui le force à travailler sur la composition d'une image plus que sur la composition d'une page avec contenant plusieurs cases. Voilà. Sarah? First, I learned how to be patient, because every time the boss wants changes, fixes, anything. It's an everyday thing in animation, storyboarding, or designing. It's not like, you know, comics, and once per month they say, okay, not okay. They say, every 2 hours, change it. Fix it. Ça vient surtout appris la patience, car en animation, tout doit être validé, tout peut être susceptible d'être changé. Ce qui est un peu la même chose dans les comics, mais en beaucoup moins. Énervant, on lui demandera un ou deux changements par comics.
And second, maybe the most important thing, it's I learn how to work with natural poses, body languages, facial expressions, how to sell death with proportions, in the how to move the character in the space, and this kind of things. Salia aussi a appris à travailler la profondeur de champ, l'expressivité des personnages, les positions naturelles des personnages pour qu'ils soient le plus expressifs possible. J'aimerais qu'il nous parle de la différence maintenant de collaboration avec un scénariste, la différence entre travailler avec un scénariste de comics et travailler avec des scénaristes, des producteurs ou des réalisateurs, je ne sais pas, dans le storyboard. Okay, well, the great thing was when I was doing comic strips, I got a script. And I didn't have to talk to the writer again if I didn't want to, you know, it was like, that's the script, I don't need to talk to you, let me do it. Yeah, I mean, it's like, you know, there's a great barrier. If you kind of like the writer, okay, you occasionally talk to them, but you don't want to talk to them too much because they can really fry your brain. So the thing is, it's just a case of, yeah, I can read your words, I shall interpret this, and then don't answer the phone. Mais ce qui était fantastique dans les comics, c'est que je recevais le script de la part du scénariste et après j'avais plus besoin de lui parler. C'est bon, voilà. Éventuellement, si je trouvais le scénariste sympathique, on pouvait échanger un petit peu. Mais en fait, le mieux, c'est que de ne pas avoir trop d'interactions parce qu'après, il peut vous frire le cerveau comme à rien. Ça peut être dangereux et donc mon idée, c'était d'interpréter simplement, voilà, j'ai ton texte, je sais lire, donc je vais interpréter ce que tu as écrit. Then, when I started doing film work, you see, it became really interesting for me because I can handle the other thing, but film work became this thing where you're collaborating, you're really collaborating with a director, or five directors, as it is these days. And what I love about that is that whole thing of, you know, that you're working on a piece of work that is actually adding to a completed something else. And I love the psychology angle of trying to pick through, you know, a director's brain and interpret what they're particularly wanting. And then to confuse them enough that I can slide in my own ideas. Ce que j'apprécie, alors là, effectivement, notamment sur Game of Thrones, c'est travailler, effectivement, surtout je travaille avec les réalisateurs. Sur Game of Thrones, il y en a 5, donc, qui ont en plus des personnalités très différentes. Et ce que j'aime, c'est l'idée de produire un travail qui va participer à un autre, à une œuvre finie, voilà, mais qui ne sera qu'une partie de ce travail. Et ce que j'aime bien dans la pratique, c'est à chaque fois essayer de comprendre ce que veut chaque réalisateur, sachant qu'ils sont très différents, essayer de lui manger le cerveau pour savoir exactement ce qu'il a en tête, et en même donc exécuter au mieux sa vision, tout en préparant des petites surprises pour lui suggérer des choses simplement par mon travail, pas oralement, mais se dire tiens, il va voir ça, ça va être intéressant, ça va peut-être lui donner des idées, ça va peut-être changer la scène parce que je le vois d'une manière différente qui sera peut-être plus efficace. See, I have a secret ambition to make all my directors a specialty so that whenever they're all ill, I can slip in and just direct the series myself. Donc, mon ambition secrète sur Game of Thrones, notamment, c'est de concocter un thé soporifique spécial qui fait qu'à un moment, je pourrais réaliser moi-même tous les épisodes. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant du type de collaboration que tu as avec tes scénaristes dans les comics ? Dans le comics, toi ? Ouais. Basiquement, au début, je dirais que ça se résumait à recevoir le texte et puis, effectivement, comme disait mon éminent collègue, interpréter et puis faire au mieux, essayer de rendre au mieux le contenu de l'histoire. Ouais. Effectivement, dès qu'on peut y ajouter des idées, c'est bienvenu. En bande dessinée, il faut éviter de trop divaguer parce qu'on n'a quand même pas le loisir de rajouter tant de cases ou de détails que ça. Et puis, je dirais qu'à force d'avancer dans le monde du comics, on a de temps en temps l'opportunité de pouvoir échanger des idées,
avant que le scénario soit écrit, de pouvoir délivrer quelques designs. Et du coup, le scénariste peut s'en servir pour écrire son histoire. Et là, ça commence à devenir sympa comme genre de collaboration, parce qu'il y a une petite interaction. Ceci dit, le gros du travail, c'est quand même de prendre le texte et de l'illustrer, parce qu'effectivement, chaque fois si on doit discuter à chaque plan, sur chaque scène, tout ce qui doit se passer, je pense qu'on va perdre beaucoup de temps, en efficacité. Et il y a aussi le média du comics, je dirais, qui est quand même dans des canevas assez tracés. Donc ça facilite aussi la rapidité d'exécution. Et finalement, personnellement, moi-même, je préfère travailler aussi dans mon coin plutôt que d'avoir recours à forcément des interactions avec le scénariste. Est-ce que tu pourrais nous citer ton scénariste préféré avec lequel tu as travaillé ? J'ai eu la chance de travailler avec des bons scénaristes. Actuellement, Eric Remender, que tu connais. Un peu. Un peu, hein. Oui, j'adore ces scénars parce que c'est très vif, il y a toujours une belle chute, c'est un plaisir d'illustrer les bandes dessinées par rapport à ces scénars. Je pourrais citer Jason Aaron aussi, dans un peu la même veine, mais avec une personnalité différente, des exigences différentes finalement. Et ce qui est un vrai bonheur, c'est en fait d'en recevoir des scénarios, des scénarios qui sont finalement très épurés, avec peu de phrases, peu de littérature. Ils ne mettent pas en avant spécialement leur capacité à écrire. Ouais. Par contre, c'est toujours très pertinent, c'est très imagé. Et personnellement, en ayant cette habitude de storyboard et de mettre en image et de mettre en séquence, quand un scénario comme ça est bien fait, on voit toutes les images apparaître dès qu'on le lit, quoi. D'accord. Donc ça, c'est assez agréable. Et je dirais que c'est là la vraie collaboration, c'est quand on reçoit le script, plus que quand on discute. Voilà. D'accord. Même question pour toi, Philippe, est-ce que tu peux nous parler de tes collaborations avec les scénaristes? J'aurais pas grand-chose à ajouter, parce que je trouve qu'il a bien brossé tout le... Et quels sont les scénaristes avec lesquels tu as le préféré travailler? J'ai aimé travailler avec Roger Stern. Roger Stern, qui est un scénariste très connu des années 80, notamment. Oui. Qui a fait beaucoup Spider-Man, Les Vengeurs. Captain America. Voilà. Parce qu'il avait justement cette Marvel Way. Il n'y avait pas de script complet case par case. Oui. C'était juste un synopsis de chaque page, oui, avec l'ébauche des dialogues. Mm-hmm. Et donc après, je mettais en page et je faisais comme je voulais. Mm-hmm. Et lui, il finissait en ajoutant les dialogues définitifs. Ce qui est la célèbre méthode Marvel, de Marvel Way, c'est-à-dire le scénariste fournit un synopsis, le dessinateur s'occupe de toute la narration. Ce qui a fait le succès de Marvel dans les années 60, c'est la méthode inventée par Stan Lee et Jack Kirby, en fait. Ouais, voilà. Et il a aussi une façon de raconter les histoires qui était celle de mon adolescence, quoi. Celle que je lisais. Mm-hmm. Donc, il y avait un parfum de nostalgie, quoi. Oui. Et avec Chris Claremont aussi, ça a été un peu plus compliqué, mais pareil, pour les mêmes raisons. Alors, Chris Claremont, pour ceux qui ne savent pas, a été le pape des X-Men pendant une quinzaine d'années, une légende vivante. Oui, et c'est lui qui a donné la base des scripts, des films. Des films, bien sûr, des dessins animés aussi, enfin de tout. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. Ok. David. Ok. I don't know if there is a difference specific between the way I worked with the writer for the animation and the writer for comic book, because we were, like I told before, a small studio, so we are used to talk and to collaborate. It was a lot of interaction between the storyboarder and the writer. When I start to work in comic book business, I keep the same way to working. I don't know if the writer are so happy that I'm keep asking them question about the story or the way they want the story, but for me it's the only way to work on something. Nice. So with a big interaction between the two people or all the people involved in the comic book. D'accord.
il ne pourrait pas vraiment dire qu'il y a une énorme différence entre travailler avec un scénariste dans le storyboard ou dans les comics, puisqu'il s'emploie justement à avoir la même méthode, une grosse interaction de studio comme il avait l'habitude de le faire dans le storyboard. C'est l'habitude qu'il a gardé dans le comics, où il communique beaucoup avec son scénariste pour savoir s'il est content de son travail, etc. Ça. Just one more question for David. Who would be your favorite writer that you work with? Qui est son scénariste préféré avec lequel il a travaillé? Maybe for different reasons, I really love to work with both Scott Tipton and Joe Casey. They were completely different kind of writer. But Scott, like Callum Bunn or Bendis, leave me a lot of room to work and to find solution for myself. The script was not so tight, so I had a lot of freedom. Joe Casey was really detailed in the script, but at the same time, he explained me everything about the decision. We discussed about every change we want to do. So I was really involved in the creative process in the moment we were working on something. Okay. So for the different reasons, these two kind of writer are my favorite. Not too much freedom, not too few freedom, okay. Too little. Donc les deux scénaristes seraient Scott Tipton et Joe Casey, qui travaillent de façon très différente tous les deux. Scott Tipton lui laisse beaucoup plus de liberté, un peu dans la méthode Bendis. Joe Casey, avec qui donc il a créé The Bones, serait quelqu'un qui discute beaucoup plus avec lui, qui va poser beaucoup plus les bases et éventuellement intervenir dans des changements. Donc c'est ce qu'il aime, parce qu'un bon scénariste ne donnera pas trop d'éléments ni trop peu. Sarah? When I was working animation, we used to brainstorm a lot with the writer or the directors. In comics now, it depends. So it's something I really look for. It's really useful for the project. But in comics, it depends on the writer you're working with. I'm a shy person, so I not impose my ideas. So I value the scripts I get. If it's so detailed, I understand that it doesn't, you know, need my opinion. So I do my job silently. But if I see some room there, I for sure will give my ideas. Okay. And with Brian works that way. It's very not detailed. Sarah, elle nous explique que quand elle faisait de l'animation, quand elle travaillait dans l'animation, il y avait beaucoup de séances de brainstorming où tout chacun échangeait ses idées. Et ça lui plaisait particulièrement. Dans le cas des comics, c'est un petit peu différent. Elle reçoit le scénario et c'est quelqu'un de très timide, donc elle n'intervient pas forcément si on ne lui laisse pas la place de le faire. C'est pas quelqu'un qui va imposer ses idées ou intervenir si on ne lui demande pas. Fort heureusement, la relation avec Bendis lui ouvre ces portes-là et lui permet d'intervenir comme il le veut. Who would be your favorite writers that you work with? Who will be? Sorry? If I can choose, sorry. No, the one you've already worked with. Oh, Brian. Son scénariste préféré avec lequel elle a travaillé sera Brian Bendis. Ok, on va revenir à Will. Parce que je pense que je vais me faire lyncher si je pose pas plus de questions sur Game of Thrones. Est-ce que tu avais lu les romans de Game of Thrones? Let me see now. When I first started the job? Yeah. Okay, when I first started the job, I thought I should read the first book because I needed to kind of get some design ideas and everything out. I wanted to see what George was doing with the story. And I had my script, and I took a lot of the design aspects out of the novel. I mean, that was the things that I latched onto because, you know, he had described things certain ways, and certainly the stuff that I'd got to do designing White Walkers and stuff like this, and the weapons, they were all described in the book.
No, not in the storyboards. You see, no, this is the point. When I started Game of Thrones, I was hired as a concept artist to do the weapon design and to do character stuff, as costume. In White Walkers. I did a little bit of work with costume, a little bit, and I did things like Cersei's carriage, and I got to play around with the world a little bit, and you know, direwolves and stuff. I got asked to do some dragons to begin with, so that we could, I mean, a big dragon, so that we could kind of go backwards from them. But little beheadings? Beheadings, yeah. Because the thing was, when I first started working on Game of Thrones, I didn't know it was Game of Thrones. It was one of these weird jobs where I got asked by a producer, could I turn out some design work for a possible TV series that had a medieval aspect to it? And I asked, well, what is it? And they wouldn't tell me. So I ended up getting sheets of information, I mean, that was, you know, was photocopied from the books, but with no titles on it. So I was reading this stuff and not knowing the books, you know, any of the characters, they meant nothing to me other than the descriptions that I was seeing. So I started turning out this work on that. And that artwork was used by this tiny team that was there to go to the States and present this artwork and some of the other stuff that was happening, and some of the location stuff, so that the Americans could be convinced that actually it might be a good idea to do the job in Northern Ireland, because these guys can draw, these guys can, you know, make this stuff happen. So my first side of Game of Thrones was design, and then and this was all on the pilot, and then I got the storyboard, the pilot. After that, of course. Sorry, do you want to? It's all right. Well, I know the story by heart. Oh, I know you do. You do. Okay. Ben, oui. Yeah. Bon, je vais le faire. Quand même, pour pas vous faire attendre trop longtemps. Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que je suis connu comme étant le storyboarder de Game of Thrones, mais c'est pas du tout comme ça que j'ai été embauché. En fait, je travaillais à l'époque sur un film qui s'appelait Votre Altesse, et le producteur Mark Huffman est venu me voir et me dit, est-ce que tu peux faire un peu de boulot en plus sur une série possible qu'on voudrait faire venir en Irlande du Nord. Voilà, on voudrait que c'est une production américaine, il n'a pas dit que c'était HBO, il n'a pas dit ce qu'était la série. C'est une production qu'on voudrait faire venir ici parce qu'on avait des paysages fabuleux. Et est-ce que tu peux faire du concept art? Et en fait, j'ai été embauché pour faire du concept. Donc il m'a donné des scripts dont avec le titre qui avait été effacé, donc j'avais aucune idée de ce sur quoi je travaillais. J'ai commencé, il y avait des demandes assez particulières, il y avait des châteaux, il y avait des loups assez costauds, il y avait des épées assez énormes, il y avait des scènes de décapitation. Ok, c'est cool. Et donc, du coup, je suis retourné travailler sur mon film après que tout ça a été envoyé par la petite équipe. Il y avait un directeur artistique et une directrice de production, vraiment minimale. Ils ont envoyé ça aux États-Unis. Je suis retourné travailler sur mon film. Et c'est après, en fait, que le producteur revient me voir et me dit, ça y est, bah, on a Game of Thrones. Et donc, j'ai dit, ah bon, c'est sur ça qu'on travaillait? Bah ouais, en fait, et ça veut dire que j'ai un boulot? Bah ouais, tu l'as. Voilà. Et c'est comme ça que je suis devenu, effectivement, que j'ai commencé à travailler sur Game of Thrones. Et donc, du coup, j'ai fait du concept art, j'ai fait du storyboard pour le pilote. Mais à la base, c'est vrai que j'ai eu à créer, par exemple, bah, les marcheurs blancs, les fameux marcheurs blancs, les costumes du Night Watch, de la garde de nuit, enfin bon, ce genre de choses, à travailler sur les armes. C'est seulement après, forcément, une fois qu'on a lancé le reste, que j'ai fait du storyboard. Et du coup, pour répondre à la question initiale, est-ce que j'ai lu les livres? J'ai lu le premier roman. Parce que c'est forcément là, à partir du moment où j'ai su que c'était Game of Thrones, je me suis intéressé aux livres pour savoir, effectivement, pour connaître cet univers. Et en plus, tout y était décrit de manière, bon, si vous connaissez les romans, de manière assez minutieuse. Et donc, c'est forcément à partir des descriptions du livre que j'ai commencé à élaborer mon interprétation de cet univers. I continue then? Yes. Okay. So, to answer your question, I'd finished the first season, I'd read the first book, and then I went to work on another movie, and I thought I'll buy the second book. And after I'd finished the movie, I went off to Los Angeles to work on the Blu-ray stuff for the
It was a lot of artwork for animation stuff for the past histories on Game of Thrones. So I took the book with me, thinking I would read the book while I was away, and didn't. I did a lot of work and saw a lot of Los Angeles. And then I came back thinking, okay, I'll get through this book before season two. But then I got called in early, and they handed me 10 scripts. So when I read the scripts, I realized, well, I didn't need to read the book. I'd read a chapter and a half, and I could see how it was working. So I thought, that's okay, I'll buy the third season's book, I'll get it. So I bought the third book. At the end of season two, I ended up going away to do another movie. I came back, I ended up in Los Angeles for the next Blu-ray stuff. I got on a plane to come home, started reading book three, read about two chapters, got home, and then got called in again to do some early work on season three, and realized, again, I got these 10 scripts, I didn't need to read the damn book. So I've never bought another one of George's books since, because there's no bloody point. There's a hex on them, and I'll never get to read the things. Et alors donc, en fait, j'ai lu le premier livre, on fait la saison 1, et ensuite, à la fin de mon travail sur la saison 1, je pars travailler sur d'autres films. Je pars à Los Angeles pour faire des bonus d'animation sur les histoires de jeunesse de Game of Thrones, donc pour l'édition Blu-ray. J'achète quand même le deuxième bouquin, je pense le lire, mais en fait j'ai tellement de boulot que je ne le lis pas. Je rentre donc à Belfast et je me dis, je vais pouvoir... je commence à lire un chapitre et demi à peu près dans l'avion, j'arrive, et en fait, ils m'ont appelé beaucoup plus tôt que prévu, de manière prématurée, ils m'ont dit, écoute, là, il faudrait que tu t'y mettes. Et ils me donnent les 10 scripts, les 10 scénarios. Je les lis, ils étaient excellents, je me dis, j'ai tout ce qu'il me faut, je laisse tomber le bouquin. Après, quand même... Donc, deuxième saison terminée, mon travail, je repars faire un film, je repars encore à Los Angeles, le Blu-ray, etc. Je me dis quand même, j'ai un peu des scrupules, je vais acheter le troisième. Comme ça, je vais essayer de rattraper mon retard. Et même combat, les bonus DVD du boulot, etc., Blu-ray du boulot et tout. Je reviens, je lis deux chapitres et demi max. J'arrive, même chose, ils m'appellent, ils me disent, t'es discrète. Je regarde les scénarios, ils sont tellement bons, je me dis, de toute façon, c'est maudit, c'est pas la peine, donc je n'ai plus jamais acheté le moindre livre Game of Thrones. And basically, there's really no point now. I'm sure the books would give me descriptions of things that would make sense, but as I'm mostly storyboarding it, I don't really need that information because it's already been designed by somebody else. So I just look at a bunch of other people's pictures and tie it in with what I know of the worlds that we're actually in, and then that's my storyboards. Which are CGI pictures often, or yeah. My CGI pictures. Working. Oui, en fait, je me suis aperçu parce que évidemment, au moment d'élaborer le pilote, je faisais du character design, des costumes, des armes, etc. Donc du concept art. Là, c'était vraiment indispensable d'avoir le bouquin. Mais après, avec les scénarios qui étaient très bons, je me suis contenté, puisqu'il y a d'autres concept artistes qui travaillaient, eux, soit en 3D, soit autre. Je m'inspirais un petit peu pour l'avancée de l'univers, de leur dessin à eux, j'intégrais le tout. Les scénarios me suffisaient, donc je ne voyais vraiment pas l'intérêt. C'est sûrement que dans les bouquins, il y a des très bonnes descriptions détaillées, mais là, maintenant, comme je fais surtout du storyboard, ça ne me sert pas à grand-chose. Donc on arrive à la fin, il nous reste à peu près 5-6 minutes. Est-ce que vous avez des petites questions pour nos invités? Si elles sont courtes, c'est bien. Si elles sont longues, c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions pour tous nos invités? Donc je vais finir sur une dernière question, on se pose tous la question par rapport à Will. Est-ce que tu as travaillé avec George Martin directement? Did you work directly with George R. R. Martin? No. I didn't, that's it. I didn't, no. I saw him twice, I talked to him, but basically it was, hey, aren't the kids great actors? Yeah, the kids are great actors. That was it. So. Donc en fait non pas du tout, je l'ai rencontré deux fois, dont une fois d'ailleurs. You could tell the Belfast bar thing, maybe.
Oh, ok, well, we won't go into that. Donc je l'ai rencontré deux fois, dont une fois, mais ça vous lirez sur le net, dans un bar de Malfamé de Belfast. Et donc on s'est adressé la parole très brièvement. Bonjour, c'est toi, c'est moi. Ah, les jeunes, ils bossent super bien, super bons acteurs. Bon, voilà, c'était ça. Non, non, pas du tout de rapport avec George R. R. Martin. Voilà. Et par contre, il y a un dessin, si vous allez voir, il y a l'expo qui est dans le hall 4. Et vous avez un portrait de George R. R. Martin fait par Will dans le style, enfin en costume Game of Thrones. Merci. Je vais juste finir sur une dernière question pour Sarah, parce que sinon Kachou va me tuer. Alors, elle voudrait savoir, en tant que femme dans les comics, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu es contente déjà de voir de plus en plus de dessinatrices arriver chez Marvel et travailler dans les comics? We're happy to see more women arriving in comics. Il dit qu'on est très contents tous de voir arriver autant de femmes dans les comics. Yes. That's it. Bon, merci. Je vais vous demander d'applaudir tous nos invités. Et merci à tous d'être venus. Tous, Dominus.